Hey, salut YouTube, est-ce que t'as déjà été bloqué dans un point and click? Dis-nous tout. Il y a 5 pièces à assembler, t'en as 4. Elle est où? Enfin, c'est quoi la cinquième? Parce que j'ai la bille d'oricalque. J'ai l'espèce de petit mécanisme en bronze, j'ai l'espèce de croissant. J'ai le cœur de statue en pierre. Le cinquième élément, il doit être quelque part de paumé, mais j'ai dû le rater une dizaine de fois et ça va m'énerver. Un truc rond. Bah, je l'ai le truc rond. Truc rond en bronze, j'ai. On va revoir ça. Parce que j'ai ça comme pièce. Il y a un trou en bas quand tu mets tout en bas. Ouais, donc il manque un truc. Oh putain. Ça va être où cette connerie? Est-ce que c'est pas le volant qu'on a utilisé dans la machine qui permet de fabriquer l'oricalque. Tous les coups, c'est ça. À tous les coups, c'est ça, et la déception va être immense. Pour aller se débarrasser de Raoul. La roue en bronze, ouais, bah à tous les coups, c'est ça. Oh, je suis déçu. Je suis déçu. Non, mais barre-toi, Jackie. Tu vas pas m'emmerder là. T'as décidé d'être chiant, toi, hein? Ouais, t'as décidé d'être relou. Oui, encore moins.
éviter le combat parce qu'on a acquis le fait qu'on était nul. Putain, mais ça va être ça, quoi. Il y a rien, rien, rien qui laisse entendre qu'il y a besoin de cette putain de roue. J'ai judicieusement enfui. Hein. Ah bah ça, c'est une forme de courage à la fuite. De plan en passage par la position. Oui. Je suis têtu, mais je ne reste pas. Tu devrais aller au nord. Est-ce qu'on sent qu'il y a du laisser aller sur les doublages? Toujours le nord. Au nord. Il y avait les roues de bronze qui cassent les burnes. Putain, mais vraiment, ce truc de la roue de bronze, c'est vraiment de la merde. Le truc, y a aucune indication qui indique que t'as besoin de ça. Ou alors j'arrive vraiment pas à lire le plan parce que je suis un gros teubé, ce qui est possible aussi. Ah putain, d'accord. Alors ça, c'est l'espèce de volant alors. Les vieux jeux, bah oui. Alors, le volant derrière, si je comprends bien, l'espèce de truc au-dessus, le petit mécanisme, et puis le machin, et là ça bougera les bras. Et il faut qu'on les... si on veut les baisser tous les deux, ils sont... Là, comme ça. Bah, à gauche, machin, à droite. De toute façon, le reste du schéma est pas compliqué. Hein. Au pire, on te donnera notre galère, notre race. Et ça ira aussi. J'ai pas testé X-Files. Je l'ai en boîte en plus. Il est là. Ah, X-Files. La peur. Le suspense. Je l'ai pas testé. Après, niveau point and click, j'ai dit qu'on ferait peut-être Blade Runner. Il est là aussi. Mais a priori, Blade Runner, elle est très bien. Donc on a quand même pas mal de choses à faire qui devraient être intéressantes. X-Files, c'est du FMV, oui. Et Blade Runner, non. Blade Runner, c'est du 3D pré-calculé, je crois. Alors. Regardons la plaque. Oh, je suis dégoûté. Du coup, si je me rappelle bien, c'était comme ça, et c'était comme ça, et putain, et là je suis vert. Voilà. Thank you.
ça ne peut être celle-là. De toute façon, c'est pas les builds de recalque qui manquent. Ah oui d'accord, celle-là elle bouge pas. En fait le bras de la statue ici était arraché. J'en vaux pourvu. Donc du coup ce bras là il sert à rien, ça va être le deuxième bras qu'il faut réussir à baisser. Attache la chaîne au bras. Ouais mais c'est le bras gauche qui doit se blesser. Parce que le bras droit il est déjà... En fait le bras droit, la main elle est Oui, vas-y descend d'abord espèce de con. En fait là le bras entre la main et la porte il est... cassé. Et donc c'est ce bras là que je dois réussir à baisser. La chaîne avec la boucle de bronze et là on a suffisamment de longueur. ...19 perles, ça devrait largement suffire. Hop, est-ce que là ça devrait être bon? J'ai mis la petite musique là par contre, donc elle est bien, ça va. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Et voilà. Une charnière. C'est la charnière qui est maintenue à la porte. Et bah ça devrait nous servir pour Zovia du coup, si j'ai bien compris. Et ben ça rase. C'était long et pénible. C'était vraiment l'énigme la plus pourrie du jeu. Parce que de savoir qu'il fallait reprendre le volant qui a servi pour un truc qui n'a strictement rien à voir avant et le réutiliser là, autant l'échelle c'était évident de l'utiliser au-dessus du gouffre, que le volant c'était vraiment ultra tiré par les cheveux, il n'y a aucun indice qu'il donne et tout, c'est vraiment l'énigme... qui mise tout sur le fait que t'as pas beaucoup de jeux parce qu'ils coûtent cher à l'époque, donc tu passes 8 ans à essayer toutes les combinaisons possibles. Bon, je sais pas ce que ça va suffire pour aider Sophia à se sortir de sa tôle. Parce que du coup, si on finit Indiana Jones ce soir, pour lundi prochain, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut refaire un autre point and click. Il y en a quelques-uns en stock. Donc ce soit Myst, qui est de l'énigme What the fuck, réflexion. Soit Blade Runner. Soit on peut se faire du Deus Ex, le 1. Soit on peut faire du métro 2033 pour se faire un petit lundi action plutôt. Que dois-je faire avec ce truc là? On trouvera peut-être une idée. Au hasard. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est plus sûr maintenant? J'ai un plan. C'est quoi ton plan?
coince la porte avec la charnière. Qui sait, ça marchera peut-être. Voilà. J'ai envie de te gifler. Allez, Sophia, te fâche pas. Fâché, moi? Tu m'as laissé pourrir dans ce trou moisi. Bon, si c'est comme ça, tu devrais y rester. C'est ce que je vais faire. Bonne idée. Très bien. Ok. Oh là là, c'est la galoche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je crois qu'il nous rabsale m'a forcé. Vraiment? Il est dangereux, ce Mister Sale. Ouais. Bon. Enfin, mieux d'y aller. On peut reprendre la charnière, du coup. Je peux pas y coincer. Ok, donc du coup, on s'en fout. Sauver. Le consentement, bof bof sur le baiser. Cela n'est pas stupide de plus. Allez, en route vers le radeau crabe. Là, c'était tellement à la suite qu'ils m'ont même pas fait le petit détour entre deux, c'est genre directement le radeau. J'espère qu'elle fera des commentaires sur le bordel qu'on a foutu. On va être encore tout pété, Jones. La meuf quand même elle se plaint en mode oh oui tu m'as laissé pourrir là etc, alors que nous ça fait 8 ans qu'on traverse des ruines humides infestées de nazis pour essayer de trouver un truc pour la bloquer, elle était en mode non ça c'est un petit peu trop faible, ça c'est un petit peu trop fort, ça c'est un petit peu trop moyen. La relou. En route vers la porte ouverte. Indy, Nurabsal est ici. Je sens sa présence. Je vais lui proposer une saucisse, c'est vrai. Attends une minute. Tu te sens bien? En pleine forme. Je me sens toute puissante. Alors tu pourras nous aider, nous débarrasser de Kerner. Il me fait pas peur. Oh, non de non. Baston. Regardons les ossements. Si je me rappelle bien... Quand même, il y a un truc qui nous a pas servi dans le dialogue perdu. C'était ça. Alors que les eaux engloutissaient leur ville, les rois de l'Atlantide tentèrent de contrer le destin, sachant que les mortels ne pourraient jamais régner sur les mers et de créer un colosse qui, avec 10 perles, leur permettrait d'être aussi puissant que les dieux. Nurabsal était un de ces rois, c'est lui, d'après les sages de l'Égypte, qui envoyait les hommes dans le colosse, créant des monstres alors que les sphères célestes étaient bien alignées. Donc, monter dans un truc géant qui transforme les hommes? Non, non, non. Là-dedans, Indy. Suis-moi. Et des sculptures de Toulouse. Fascinant. Quelle étrange création. Ça, c'est la porte de laquelle on vient ou pas? Non, pas du tout. Il y a un excavateur. Des étranges inscriptions. Des graffitis Atlantes. On dirait une copie géante de la statue du Minotaure. Encore une bouche affamée. C'est une forme vide. C'est une forme vide. C'est une forme vide.
Bon, il va falloir des objets pour l'activer, pour le faire avancer, je suppose. On a un excavateur, pas un vaisseau spatial. Mais ça y ressemble quand même pas mal. La saucisse. Ce serait probablement le plus grand plot twist de tous les Indiana Jones si tout se résolvait grâce à la saucisse. Encore des graffitis Atlante. Marchons vers cette porte. Une pièce vide. Ok, là on a fait le tour. Ok, la pièce de l'excavateur qui est un petit peu plus loin. T'as pas essayé la saucisse de la fente vide. C'est vrai. Mais je pense que la saucisse, elle était là pour attirer un crabe avec les ossements. Ah, Dr. Jones, bienvenue dans mon humble demeure. Pardon. C'est un puits de lave plein de squelettes calcinés. Excuse-moi. Parle. Cet endroit me donne des frissons. Ah bon? Moi je les trouve très paisibles. T'as mal à la gorge, t'as une drôle de voix. Je cherche encore ma vraie voix. Bientôt, tu entendras mes ordres et tu obéiras. Calme-toi, y'a pas le feu. calme-toi pendant que j'examine les environs. Prends ton temps, je ne bougerai pas d'ici. Ok. Regarde ses pieds. Enfin, si je puis dire. Celui-là n'a jamais dû gagner un concours de beauté. Il y a un truc là bizarre. On ne trouve pas ce genre d'ossements sur Terre. De Mars? De l'enfer? Il y a un sceptre. C'est une baguette de bronze, probablement un sceptre royal. Le sceptre sert peut-être pour l'excavateur. La sortie. Excuse-moi. Parle. Viens, sortons d'ici. Jamais. Je resterai ici avec l'esprit qui guide mes pensées. Sophia, c'est bien toi? La femme que j'étais est maintenant roi à jamais. Tu dois me parler avec déférence. Il n'y a plus de Dana, il n'y a plus que Zul. Eh ben, t'es femme ou un homme maintenant? Mon corps n'a aucune importance. Je suis le grand esprit réincarné. Ah bon, ça va, voilà qui est mieux. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est, je pense, possédée par Nurabsal, l'espèce d'esprit qu'elle invoquait. Pourquoi t'agis comme ça? Et bonsoir Zessir, j'espère que tu vas bien. C'est-à-dire, hein? Dis-moi, rustre. On dirait que t'es possédé. Possédé? Par quoi? Par Nurabsal. Tu as tort. Nous sommes amis. Est-ce que genre on peut utiliser son collier ou un truc comme ça? Faudrait lui envoyer du feu béni sous forme de boule. Tu permets que je regarde ton collier? Ouh, il fait des trucs. Oh! Le médaillon est brûlant! Bah lâche-le alors! Nurabsal m'en empêche! Ah, c'est trop chaud.
Utilisons un saucisse avec le colis. On va la faire cuire. Ah, je pense pas que ça marchera. Utilisez la boîte ouverte avec le collier. Non ! Désolé, Sophia. Adieu, Nourapsal. Eh ben, merci, Indy. Sans toi, je serais morte comme ce monstre. Jette la saucisse à la lave, vite ! Utilisez la saucisse avec le puits de lave. Je pense pas que ça marchera. Sophia. Oui ? Viens, sortons d'ici. Ghostbusters, mais oui. Après, on va rencontrer Vigo. Vigo des Carpates. Déjà qu'on a rencontré Zool, le mignon de Gowser. J'aurais espéré une petite rencontre avec Vince Clorto, le maître des clés, mais... du coup, je pense qu'il faut aller vers l'excavatrice et que le sceptre va nous servir dans les fentes de l'excavatrice. Utiliser le sceptre avec la fente de gauche. Tu montes. Je reste ici. Comme tu voudras. La saucisse, c'est de la fente. Utilisez la saucisse avec la fente centrale. Je pense pas que ça marchera. Utilisez l'oricalque dans la bouche. Pousser. Tirer le levier de gauche. Tirer encore le levier de gauche. Non. Prendre. Non. Utilise la torche avec. Ça marche pas. Intrigante cette saucisse. On dirait des épicones, c'est pas faux. Non, la charnière, je pouvais plus la récupérer. Faut peut-être plusieurs leviers. Ouais, c'est possible. Sophia. Oui. Que penses-tu de ces inscriptions sur le sol? Elles peuvent avoir un sens, mais je crois qu'il s'agit plutôt d'un dessin. T'as une idée de ce que c'est? On dirait une espèce de machine. Un excavateur, je pense. Et on fait quoi maintenant? Platon précise que la cité est divisée en trois cercles concentriques. Nous en avons vu deux. Nous pouvons essayer de trouver le troisième. Ou abandonner et rentrer chez nous. On peut pas abandonner. Alors dis-moi ce que je dois faire, je suis perdu. Je ne sais pas. Les viewers nous attendent, tu sais. Ils se font chier depuis bien trop longtemps sur Spine and Click. On ne veut pas terminer comme ça, Sophia. Je me demande si elle se rapporte avec cette énorme machine. Écoute... Quoi ? Continuons. Je pense que du coup là on a l'instruction pour avancer, de dire les deux leviers... Il y a les leviers à droite et le levier à gauche qui doivent être en haut. Donc du coup il doit nous manquer un levier. Si je comprends bien l'inscription. Encore une pièce qui ne sert à rien.
dans laquelle certainement il y aura un truc à la con. On a déterminé que la saucisse n'était pas un bon levier. Hein. Ça, c'était sûr. On n'a pas regardé la membrure, si ça pouvait servir. Hop, dans le fond. Qui pourrait éventuellement être notre second levier. Et là, du coup, levier au milieu et levier en haut. À part utiliser la saucisse, je vois pas ce qu'on peut utiliser d'autre. Moi non plus. Hop. Ça ne marche pas. Déjà, pousser le levier de gauche et il va falloir trouver le levier de droite. J'ai utilisé cette machine extrêmement complexe à l'aide d'une saucisse et d'un vieux bâton. Alors on a fouillé ces deux pièces, ça avait rien. Tuc, les ossements, y'a rien non plus. Tu viens ? Je vais pas y retourner. Bah, fémur, j'y pensais, mais à chaque fois qu'il y a des squelettes, il veut pas y toucher, donc... Puis de lave... squelette. Je pense qu'on a récupéré ce qu'on avait récupéré. Les espèces de gravures de Cthulhu dans le couloir, j'ai bien envie de voir si on peut les pousser ou quoi. C'est peut-être juste des portes qui sont dissimulées. Ou ce genre de conneries. Oh, pardon. On peut plus utiliser le médaillon parce que de toute façon on a plus de... Plus de boîte pour isoler nos perles d'oricalque. Il nous en reste combien? 15. Voilà. Pousser l'étrange culture. Tirer l'étrange culture. Immonde. C'est un animal ou un visage humain défiguré. Excuse-moi. Oui? Que penses-tu de ces inscriptions sur les murs? Une ancienne forme de morpion? Des chiffres bizarres? Une série d'instructions? Un diagramme particulier? Qui sait? Le Rapsal est vraiment parti? Je crois que oui. Tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens redevenu moi-même. Pour la première fois depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne vois aucune trace de ces nazis. Et si on voir où ils sont partis? Continuons. D'accord. C'est vrai qu'on peut éventuellement récupérer la charnière comme levier si on soulève la porte et que Sophia la reprend. C'est pas le truc le plus chelou que le jeu nous aurait fait faire. Et je récupère mon échelle, c'est mon échelle. Ça me semblerait même limite cohérent par rapport à l'énigme de tout à l'heure. Après, il me semble un peu gros le levier par rapport à...
C'est ce qu'on a vu, mais c'est dur de juger de la taille des éléments dans un point and click. J'y crois à mort. Alors, autant il y a des énigmes qu'on a résolues avec brio que là. Quand même, sur celle de la statue, on en a chié comme pas possible. Tout ça pour un truc tout pour Axe. Alors. Je ne retourne pas là-bas. Je t'attendrai ici. Ok, donc non. Encore plus. On peut peut-être quand même la débloquer pour la récupérer. Oui. Désolé Fritz. Hein. C'est un nazi qui se promène dans le labyrinthe, tout à fait. Il y en a plusieurs. Qui nous ont, disons-le tout net, plusieurs fois pété la gueule. De façon guillerette, quand on les a croisés. On en a battu un. Les autres, ils vont déglinguer. Puis bon, tu sais ce que c'est, hein, l'Atlantide. Ces énigmes. Ces nazis en goguette. Hello Arias Gina, bienvenue, comment ça va? Content de te revoir. J'espère que tu vas bien. Bah ça va, tranquille, je pense qu'on approche de la fin de ce Indiana Jones. Non, 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 mais là on est vraiment à la fin. Fallait vraiment recycler le bâton. Mais il n'y a pas de déchets. Hein, c'est... Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Du coup, si j'ai bien compris l'énigme, on va pouvoir utiliser les deux leviers, les monter, activer l'excavateur. J'y crois. Je suis sûr que c'est ça. Et ça va être génial. Il faut que ce soit ça parce que j'ai pas envie de faire un épisode de plus et je suis fatigué. C'était pas là. Oui. Alors, hop. Utiliser la charnière avec la fente de droite. On va la pousser et on va utiliser une bille de régal dans la bouche. Ça marche! Allez, monte, Sophia! Pas ce truc. Machin, c'est un char d'assaut Harkonnen. Ah oui, pour l'arrêter, faut tirer. Je crois. Celui-là. Non. Allô? Fichtre. Pour moi c'était ça la position, mais je me trompe sûrement. Faut pas le mettre au milieu.
Non, il me semble qu'il y avait, qu'il était pas au milieu. Mais je me trompe peut-être. De toute façon, il n'y a que 9 positions possibles, hein, donc... Nope. Je peux pas prendre une forme vide. Sylvie ne veut pas bouger. Bon, du coup, ça fait qu'il y en a déjà un de bon. Ah, voilà. Ça a l'air plutôt dangereux. Oui, bref. Qui n'a jamais fait une petite balade en excavatrice au milieu de... bah de la lave. Oups. Ah c'est bon, c'est bon. Putain, j'ai flippé. C'est... la saucisse. La saucisse. Genre, bah ouais, mais j'ai cru que c'était vieux game over, genre, ah, vous êtes tombé dans la lave comme des merdes. Bande de losers, je fais un petit L avec les doigts. Oh mon dieu. T'éloigne pas, ça pourrait être dangereux. Je cours le risque. Oh, le pénitent le passe. Je peux pas l'atteindre. Si c'est bon. Oh, le bordel. Et si Arya c'est une... est une follower. Qui nous a rejoint bah, lors d'un épisode d'Indiana Jones d'ailleurs. L'épisode de la semaine dernière il me semble. Et... bon, on va pas traverser la lave, ça va faire mal. Même si on a une saucisse. Bon, nous revoilà ici, donc c'était pas par là. Je peux pas l'atteindre. Le club des fans de saucisses. Alors. Utilisons notre cerveau et notre sens d'observation. Nous avons deux yeux, utilisons-les. Attention, il n'y a pas 36 voix. C'est de par là. Sers-toi de la saucisse comme une perche. Fais du saut à saucisse. Au-dessus de la lave. En attachant la saucisse au bout du fouet, ça permet de faire un lasso et une corde avec un grappin. Alors, donc du coup, la porte de droite... la porte de gauche nous amène là-bas, on va dire la porte de droite. En tout cas, comment je la passe, elle traîne depuis un moment. Non, mais on l'a trouvé sur un nazi. Car tous les nazis sont armés de saucisses. Oh non. Ok, donc c'était pas par là. Je vais pas remonter, le passage est trop abrupt. Oh là là, vieille excuse. On l'a refait. Tu sais, nous avons bien utilisé un vieux sandwich confectionné dans un U-boat allemand pour attraper un crabe grâce à une cage thoracique humaine. Franchement, la saucisse, c'est pas l'énigme la pire du jeu. Et oui, j'ai bien dit cette phrase. Alors, on avait dit à droite. Oups. À gauche. Les décors sont vraiment très beaux, même à chaque fois. Et rue à gauche. Translave sur le damier. Le nom de Dieu. Celui qui marche sur les noms de... le nom de Dieu. Le franchit. Le pénitent le passe. C'est moi qui ai eu un éclair de génie trouver la solution du sandwich, absolument. On va dire à droite. De toute évidence, non. On va dire à gauche. Oui. Et c'est où c'est par là, du coup? Pas du tout. Si. Gauche ou droite?
Putain, si je reviens au début, ça va me... J'ai hâte que tu trouves cette idée à saucisse alors. Mais je pense que ça servira malheureusement plus. Et bon, on finit bien par traverser le charlatan, hein. Ok, donc non. Faible du boss de fin. Tu peux l'attaquer à coup de choucroute. Troll. Alors tu viens. On se calme. Elle va traverser en 2-2. Voilà. Beau parcours, hein. Merci. Le laveu. Ah, t'aurais une saucisse. L'homme à la saucisse. Oula, 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 qu'est-ce que c'est que ce bidule? La voilà, ta cité de lumière. Je m'attendais pas du tout à ça. L'endroit fonctionne encore. Maintenant, la pression d'air depuis des siècles. C'est tellement la fin du jeu qu'il n'y a même plus d'interface. Allez, Indy! Oula. Je retire ce que j'ai dit. Regardez l'axe. C'est un réceptacle pour les disques de pierre. Oh non. Oh mais non. Pas encore. Mais je voulais la fin, je voulais plus. Une grenouille. On dirait qu'à la fin d'Oricalc. J'ai 14 perles. Il s'est rien passé. J'ai plus que 13 perles. Soleil, pleine lune, soleil de midi. Il s'est rien passé. Toujours rien. Ok, il va falloir trouver le... la bonne combinaison. Donc on avait dit penser les trucs inverses. Ça va être chiant ça. Oui. Je pourrais jamais terminer. Ah mais je te rassure, on n'est pas prêt de le terminer non plus. Toujours rien. Alors de diable perdu. Gnagnagnagnagna, on s'en fout. Alors, la deuxième pierre terrestre, l'ultime porte s'ouvrait aux esprits contraires. Mais on a déjà eu ce genre d'énigme. Écoute, quoi? T'as assez chaud. Ça ira, mais pas trop longtemps. Meuf, on est littéralement entouré de plusieurs lacs de lave. La musique, on dirait une espèce de rire, il se fout de ma gueule depuis tout à l'heure. Ça va, c'est assez étrange pour toi. Ça va être le colosse de Nurapsal. Heureusement qu'il ne peut plus l'utiliser. Sophia. Quoi? Je fais quoi maintenant? Je ne sais pas. Mais décide-toi vite. Alors... nouvelle lune... ténèbres... Je crois que ça a été ça qui avait...
J'avais servi la dernière fois, toujours rien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la salle à observer? Dans la salle d'avant, il n'y a pas un dessin. Attends-moi ici, je reviens. Je crois pas avoir vu, mais c'est possible. Mais j'étais trop subjugué par l'absence d'interface. Eh ben, bonne chance avec ça. Les précédents, j'avais les symboles, en fait, l'explication des symboles dans le guide de... de Platon dans l'Hermocrate. Qui est ici. T'as trouvé quelque chose? Je suis pas sûr. En fait, l'explication était là pour les précédents. Les avant-postes avec les pierres. Etc. Dans la lave sur le mur. Une grande colonie, une grande pierre lunaire en plus. L'Atlantide, pierre terrestre, lune et la cité. Les esprits contraires pour le dernier. Qu'est-ce que tu me racontes? Dans la lave et sur le... dans la lave sur le mur. What? C'est mon premier point and click, non, mais c'est pas un genre de jeu que je fais assez souvent parce que ben je suis nul. Là, principalement. Est-ce qu'on peut rentrer par l'autre côté? Non. Non, je suis vraiment pas très bon au point and click, donc en général, il y a un moment où je pète un câble et je les finis pas, ou alors j'ai fini avec la soluce. Et là, j'avoue que nous avons dû y recourir un moment. Là où il y avait le damier. Il y avait des symboles. Mais pas de symboles là. De quoi que tu me parles? Sur le mur, il semble qu'il y avait un dessin. Je suis pas sûr du tout qu'il y avait un truc hein. Perso ça me dit rien. Oh putain ça va être chiant. Non là il faut piffer, ouais c'est possible qu'il faille piffer hein mais... parce que là ça n'a pas l'air d'être du tout informatif. Je pense qu'il faut juste piffer la solution. Enfin pas forcément la piffer parce qu'il doit y avoir une logique quand même derrière, mais il est minuit 34, c'est plus l'heure où il refait appel à la logique. S'il parlait de contraire sur la dernière porte, est-ce que tu dois mettre l'opposé entre les symboles? On peut essayer. C'était plus ou moins ce qu'on avait fait, mais ok, bah démerde-toi avec ça pour passer. Allez, Dr. Jones, tu peux le faire. Le passage chiant, oui. Ah, j'avoue que les énigmes de l'Atlantide, elles sont un peu reloues. Mais c'est pas grave. On va s'en sortir. On peut le faire. On a plein de cerveaux mobilisés, là. C'est, la recherche globalisée à son paroxysme. Dans ce jeu, c'est pas grave. Tout neurone est le bienvenu. Je vois pas où peuvent être ces comptes symboles. Observons un peu plus la pièce. En fait, on a la solution sous le nez depuis tout à l'heure. Tiens donc. Regarde bien. C'est bien possible que ça parle de saucisse, attention. Il y a un schéma gravé sur la saucisse. Ah mais oui, bien sûr.
simple, quoi. Ah, on peut pas manger la saucisse. On ne peut pas manger la saucisse, malheureusement. Ouais, j'ai noté le schéma quelque part. C'était où? Sur une saucisse, je crois. Elle dirait qu'elle a faim de récalque. Ben non, elle a pas faim de récalque. Bah, si, visiblement. Non, ça va être un problème de... On peut pas donner la saucisse à la grenouille, je suis déçu. Alors. Une grande corne, soleil du midi. Ténèbres. Parce qu'à un moment, on avait fait un truc, genre c'était les ténèbres, la cité, blablabla. Ténèbres. Pleine lune. Cité. Toujours rien. Il a dit quelque chose, mais j'ai pas vu quoi. Là, il faut piffer, c'est bien possible qu'il faille piffer. Hein. Je me demande ce que veut dire bien aligné. Bien aligné. Mais à aucun moment il dit ça. Mais d'où ça vient ce truc de bien aligné? De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me dis? Ah si, les astres bien alignés, c'est dans le bouquin. Les sphères célestes étaient bien alignées. Et c'est là. Il faut que la lune et le soleil soient alignés. Lune, soleil, la cité. Non, c'est pas le bon soleil. Soleil de midi, pleine lune, cité. Saras. Toujours rien, peut-être avec le volcan. Non. Est-ce que c'est avec les cornes de taureau? Merde. Soleil de midi. Oui, il a pas mal neigé, Capi, il fait même plutôt froid. Disons-le clairement. Toujours rien. C'est avec un alignement avec les grandes cornes, un truc à la con. Volcan. Pleine lune. Soleil. Avec les grandes cornes. Toujours rien, bordel. Je me demande ce que veut dire bien aligné. Le faire. Nous ne sommes pas complètement stupides. Nouvelle lune, ténèbres. Sur un axe que les soleils. Comme ça? Non. Non, je pense que quand j'aligne la pleine lune avec le soleil, il a l'air globalement ok sur, sur le fait que ça va être bien aligné. Avec le volcan plutôt que avec le... Toujours rien. Le tatage est absolu.
YouTube, on va faire une pause ici. Des bisous.